Depuis quelques mois, on me parle de la borne vendue par Noroto. C'est une borne 7 kg avec une prise T2 qui permet de recharger donc à 32 ampères. Et cette borne vendue par Noroto, elle, sur le papier, elle a l'air très bien. Moi, ça me pose pas de problème. Elle gère le délestage, la tique, via le Linky. On peut même acheter un tore s'il n'y a pas de Linky, faire du délestage. Il n'y a rien qui me choque. C'est vendu par Noroto, c'est une grosse boîte qui a pignon sur rue, ils sont connus, on peut aller les voir. Donc, moi je suis prêt à installer des bornes, ces bornes. Elles sont vendues pas cher du tout, hein, 400 euros. Hein, franchement. C'est imbattable. Le rapport prestation-prix est imbattable. Maintenant, je ne sais pas exactement de quoi elle est faite. Je ne sais pas. Elle est garantie 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, on peut espérer que ce soit un petit peu sérieux quand même. Donc, moi, je suis prêt à installer cette borne. Et j'ai fait mon petit calcul. Je peux faire fournir et poser cette borne. Fournir, pourquoi? Ben, pour que vous ayez droit au crédit d'impôt de 500 euros, fourni, posé, avec tout le petit matériel et pour 780 euros TTC, hein, imbattable, imbattable. Voilà, c'est vraiment, je peux même pas faire la borne Lidl à ce prix-là. Et puis la borne Lidl, j'ai absolument pas confiance. La borne Noroto un peu plus, 780 euros TTC. Alors les collègues, ils vont crier dessus, hein. Ils vont pas être contents que je parle de ça. Mais attention, je veux apporter une précision. À ce prix-là, et avec un fournisseur comme Noroto, qui n'est pas mon fournisseur habituel, mon fournisseur habituel c'est Rexel, voire Sonepar. Ce sont des grossistes en matériel électrique, c'est-à-dire que une borne Aguerre, une borne Wallbox ou une borne Gewiz, si elle tombe en panne, je viens chez vous avec une borne neuve, je la remplace en 1 heure, 2 heures, et vous pouvez continuer à charger votre voiture. Là, avec la borne Noroto, ok, c'est vraiment pas cher, on est d'accord, hein. On est d'accord, et je veux bien l'installer, pas de problème. Mais la garantie, c'est la garantie constructeur. La garantie Noroto. Donc, en cas de panne, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que je ne vais pas venir chez vous avec une nouvelle borne Noroto. Pas du tout. Je vais venir chez vous, les mains vides, avec mes outils, démonter la borne Noroto, vous en priver pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le temps qu'elle retourne chez Noroto, d'accord, ou qu'ils acceptent de m'en donner une neuve, mais à mon avis, il y aura plus un retour fabricant et diagnostic, éventuellement réparation, avant qu'ils m'en donnent une neuve sans contrepartie. Mais il est hors de question que je vienne chez vous avec une borne neuve et que je fasse un simple remplacement. Ça, c'est pas possible. À 780 euros. Moi, j'ai pas de fournisseur, pas de grossiste qui permet de faire ce jeu-là. Donc, je viens vous installer la borne Noroto pour 780 euros. D'accord? Je gagne ma vie, ni trop ni trop peu. C'est le bon prix. D'accord? Ceux qui vous l'installent à plus cher, non, c'est trop cher. Ceux qui vous l'installent à moins cher, attention, non, 780 euros. Dans ces eaux-là, c'est le bon prix. Ok, elle me semble tenir la route cette borne. Alors en plus, esthétiquement, elle est correcte. Évidemment, je ne sais pas où est fabriquée la carte électronique. Je ne sais pas comment elle est fabriquée. Mais il me semble qu'on peut avoir confiance parce que Noroto est un groupe qui tient une certaine réputation. Donc oui, je veux bien l'installer, mais attention. Le jour où il y a une panne, vous en serez privé pendant un temps indéterminé.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire concernant la borne Noroto. Au revoir.